Allez, ramasser quelques champignons. Alors, on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de champignons dans cette forêt, mais pour un mycologue, il y en a plein. D'ailleurs, il suffit de regarder par terre, moi j'en vois plein. Je ne sais pas si vous les voyez là. Peut-être s'approcher un petit peu de cet endroit. Moi, là, il y en a plein, mais je ne sais pas si vous les avez repérés. Alors, bon, d'accord, ça, c'est pas des champignons comme on s'y attend, mais c'est quand même des champignons. Et oui, les fameux lichens. Alors, ces lichens, là, c'est des champignons, hein, et c'est des champignons qui sont associés à des algues, donc ça explique leur couleur verte. Et non seulement ça explique leur couleur verte, mais ça explique aussi comment ils vivent. Bon, là, les branches sont tombées à terre, mais ils vivent sur les branches simplement parce que les algues font la photosynthèse. Eux, ils emballent les algues, et puis ils leur amènent des sels minéraux et des ressources, notamment de l'eau, dont elles ont besoin. Donc là, ce sont des champignons. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on voit le champignon en entier. Ça, c'est la forme du champignon. C'est vrai, souvent, le champignon, on dit c'est des filaments microscopiques sous terre, c'est ce qu'on appelle le mycélium. En fait, d'habitude, on ne voit pas physiquement le champignon. C'est un truc filamenteux, invisible, qui occupe le sol, qui occupe l'arbre, on ne le voit pas avec les yeux. Ben là, on voit tout le champignon. Alors ça, c'est un lichen qui est ramifié, un petit peu farineux. Alors, la farine qui se détache quand on touche, c'est juste des petites parties qui tombent et puis qui vont s'installer ailleurs et multiplier en fait le lichen. C'est juste de la reproduction asexuée. Et quand on retourne dessous, par contre, c'est noir. C'est noir en dessous. Et ça, c'est Pseudevernia furfuracea. C'est un lichen qui est proche d'un autre lichen qu'on a plus bas en altitude et il le remplace quand on monte. Je ne sais pas combien on est là, mais souvent le remplacement se fait vers 800 mètres. On est à combien là? 1500. Ouf, c'est bon. C'est pas une science exacte cette histoire-là. Donc on est à 1100 mètres. Effectivement, on est dans la zone où il y a Pseudevernia furfuracea. Il remplace ce qu'on a en plaine, qui est un lichen qui est, bah, il est vert dessus et en dessous, par contre, il est blanc quand on le retourne, qui est le Evernia prunastri. Mais les deux sont utilisés sous le nom de mousse de chêne en parfumerie, où les extraits qu'on réalise sont à la fois des antioxydants, donc des stabilisateurs des parfums, et puis aussi des notes aromatiques intéressantes de mousse de chêne. Si on sent ce lichen d'ailleurs, une espèce d'odeur de sous-bois, qui est cette note de mousse de chêne en parfumerie. Donc c'est utilisé en parfumerie, mais et d'ailleurs il y avait plusieurs milliers de tonnes qui étaient récoltées jusqu'à une date récente, mais maintenant on ne récolte plus trop pour la raison suivante, c'est qu'en fait c'est un peu allergène. Et donc les doses autorisées dans les parfums ou les cosmétiques ont vraiment chuté, et ça a été remplacé par des produits synthétiques où il y a les principes actifs sans les principes allergènes. Pour dire que les molécules qui sont là-dedans ne sont pas forcément bonnes pour la santé, et puis pour terminer sur ces lichens qui, comme ceux de Evernia furfuracea, donc s'appellent des mousses de chêne, pour terminer, il faut savoir qu'on les broyait à l'époque classique, et la fameuse poudre qu'on mettait sur les perruques, eh bien, ça contenait notamment du lichen broyé. Et ça avait non seulement un rôle dans la structure, mais c'était surtout un rôle anti-mite. Parce que ça, c'est bourré de molécules pas très très bonnes pour la santé. Bon d'accord, elles sont odorantes, mais elles ne sont pas très très bonnes pour la santé. De qui agresserait ces lichens? Et il y avait aussi de superbes petites, là, elles sont belles comme tout, de superbes petites trompettes de cladonies. Alors là, cladonies, je ne vais pas risquer de mettre un nom. Hein. Autant Pseudevernia furfuracea, noir en dessous, c'est simple. Autant les cladonies, moi, je ne m'y risque pas. C'est joli. Donc, il y avait déjà des champignons. Ce qui est bien pour le mycologue, c'est qu'il y a toujours des champignons, même quand tout le monde s'emmerde. Alors, on va aller tout droit. Là. Et là, il y a un autre champignon qui, lui, n'a pas fait que du bon travail. Alors, celui-là, il y a Rathen et le Pneumotopsis pinicola. Alors c'est effectivement un champignon, c'est un polypore, hein. C'est ce qu'on appelle le polypore du pin, Phomitopsis pinicola, même si là visiblement c'était plutôt un sapin qui l'a attaqué. Alors je dis bien attaqué, bon, autant le champignon qu'on voyait tout à l'heure, il vivait avec des algues, avec des échanges à bénéfices réciproques, c'est ce qu'on appelle du mutualisme, hein. L'un et de l'autre et vice versa.
Autant là, on est sur un champignon qui a attaqué et tué l'arbre qu'il finit de manger maintenant que l'arbre est mort. D'une certaine façon, si c'est un animal, on dirait que c'est un prédateur, hein, puisqu'il tue et mange. Alors, je sais que c'est lui qui a tué cet arbre, pour la raison suivante, c'est qu'il y en a sur la souche et sur la partie, ce qu'on appelle le voli, la partie qui a cassé en haut, sur la souche et sur le voli. Il y a le même champignon qui est présent. Alors, attention, le champignon, il est présent dans l'arbre, c'est son mycélium, son microscopique et pas trop visible à l'œil nu, qui a tué l'arbre. Et puis là, c'est en quelque sorte son champ de victoire, hein. Là, il est en train de se reproduire. Cette structure, et c'est ce qu'on va ramasser tout le temps, c'est la structure qui produit les spores. Ce qui est intéressant quand on regarde de près celui-là, cette structure-là, c'est qu'on voit qu'elle a commencé, regardez, à se développer, si vous vous approchez, elle a commencé à se développer clairement au début, avec le dos là, et la partie inférieure ici. Et puis maintenant, elle se développe perpendiculairement. En fait, donc ça a commencé à pousser, ça, avant que l'arbre casse. Parce que ces champignons-là, ils sont très organisés. Alors, on va y aller, heureusement. Ces champignons sont très organisés. Ils ont en fait une partie supérieure avec une espèce de pellicule indurée, une chair qui ressemble à du liège, et puis des tubes. Et ils font une couche de tubes. Bon, dans certains cas par an. D'autres fois, une couche de tubes quand les conditions sont favorables. Et on voit très bien ces couches successives, là, mais qui sont faites de tubes. Et dans les tubes, ils produisent des spores qui passent dans l'air et qui vont essayer de s'installer sur un autre arbre. Pour le coup, je soupçonne cette clairière dans laquelle on est d'être une zone où l'installation est réussie. Hein. Parce que cette clairière, elle est faite d'arbres crevés au bord. Et... voilà, Phamitopsis pinicola, le polypore du pin, avec en dessous donc cette couche très claire, hein, sur laquelle on peut dessiner. Voilà. Et donc une morphogenèse qui, si jamais vous déplacez le morceau de bois, bah, continuera l'année suivante en se réorientant par rapport au sol. Ce qui veut dire que là, il y a plusieurs années de croissance. Hein. Les spores sont fabriqués dans des structures qui peuvent être éphémères, c'est le cèpe qu'on ramasse ou la girole, ou qui peuvent être très durables. Et en fait, souvent, les structures qui produisent des spores sont très durables quand le champignon est un champignon dont le mycélium lui-même est très durable. Et là, il est durable le mycélium, puisqu'il a tout ça à manger. Donc il a le temps d'alimenter la croissance pendant plusieurs années de la structure produisant des spores. C'est moins vrai pour d'autres champignons qui vont avoir des... partie productrice de spores beaucoup plus réduite. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent aux arbres, hein, de se faire bouffer par les champignons. C'est la cause majeure de mortalité des arbres en forêt. Avec l'âge, ils finissent comme ça en général. Alors là, on a un joli spot de fausse girole. Alors, cette fausse girole, beaucoup de gens l'évitent. Mais en fait, elle est comestible, simplement elle est vraiment sans intérêt. Alors la fausse girole ressemble vraiment à une girole, elle a la belle couleur, mais elle n'en a malheureusement pas le goût. Et quand on la retourne, on voit qu'en dessous, elle a des vraies lamelles. Alors, vraies lamelles, fausse girole, si les lamelles sont des replis grossiers, donc si ce n'est pas des vraies lamelles, c'est une vraie girole. Fausse lamelle, vraie girole. Vraie lamelle, fausse girole. Bon, c'est comme ça, c'est pas vraiment bien fait. Ça a la réputation dans certains ouvrages d'être hallucinogène. Beaucoup de mes étudiants ont essayé et me garantit que ça faisait rien. Alors c'est un champignon par contre qui est pas toujours... Il est pas génial parce qu'il a tendance à vieillir sans perdre de sa prestance. Et donc on peut avoir des trucs comme ça qui sont tout vieux, tout crevés. Il y a plus de cellules vivantes, donc il n'y a plus de goût. Et ils ont commencé à pourrir à l'intérieur, ce qui n'est ni très sain pour la santé, ni très bon goût. Ou ce n'est pas non plus un comestible remarquable. Lui, c'est un champignon qui dégrade la matière organique, mais on en reverra plus tard. Toujours avec des belles couleurs. J'ai par ici, oui. Encore la même couleur. Hein. Un joli champignon à forme ramifiée. Alors lui, il forme ses spores à la surface des ramifications,
dans un champignon à lamelles, c'est formé à la surface des lamelles. Ça, c'est la calocère visqueuse, Calocera viscosa. Alors, on va essayer de la dégager avec sa base, parce que pour le coup, il y en a en dessous aussi, normalement. C'est pas très facile, mais vous voyez que c'est souvent prolongé par une partie blanche en dessous. Et c'est un champignon tout gélatineux. C'est marrant. Parce qu'il y a beaucoup de champignons ramifiés qui appartiennent à d'autres groupes, mais qui ne sont pas gélatineux comme ça. Là, la calocère, elle se reperfectionne parce qu'elle est hyper gélatineuse. Elle n'a pas beaucoup de goût. C'est toxique, apparemment. Mais elle contient des tanins. Bon, les tanins, c'est des... Je prends un peu aussi les polyphénols, hein, c'est des molécules qu'on trouve dans les végétaux et dans les champignons. Et ils sont assez indigestes, enfin ils sont surtout assez, assez corsés pour le tube digestif, ils provoquent des diarrhées. Et ça fait que les calocères étaient utilisés à une certaine époque comme vermifuge. Mmh. Bah oui, parce qu'avec le flux un petit peu accéléré, les vers ils avaient du mal à se cramponner et ils partaient. Beaucoup de vermifuges classiques étaient juste des choses qui collaient des diarrhées. Hein. C'était simplement des aliments. Comment dit-on quand ça donne des diarrhées ? Laxatif. Laxatif, voilà. Bon ben voilà un laxatif. Alors celui-là, il se nourrit, on le trouve sur des souches. Alors on va dégager cette souche là. Voilà. Des souches en décomposition. Et pour le coup, lui, il se nourrit de bois mort. Alors là. Super image, on voit très bien la partie blanche en dessous, là, et qui en fait fait la connexion entre la partie reproductrice, productrice de spores, et le mycélium qui est dans le bois et qui est en train de décomposer ce morceau de bois mort. Alors, juste une chose, j'ai goûté ce champignon et on peut goûter en Europe au moins tous les champignons, ah bon, du moment qu'on les recrache. Même les plus toxiques ne sont pas toxiques par contact. Ils sont juste toxiques si on les ingère et si leurs molécules passent dans le sang. Et les mycologues passent leur temps à sentir et à goûter, parce que c'est vrai que la reconnaissance des champignons, c'est souvent difficile, il n'y a pas beaucoup de caractère. Enfin, je veux dire, si on s'intéresse à des espèces tordues, hein, parce que bon, si c'est des trucs très simples comme ça, ça va. Et donc, les goûts et les odeurs sont des caractères supplémentaires vraiment très utiles. Il y a quelques couples d'espèces, par exemple, on ne distingue bien qu'au goût. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner si les mycologues goûtent, mais simplement on reprend. Il ne faut surtout pas faire ça sur les plantes, par exemple. Si vous faites ça sur les plantes, vous avez une chance de tomber sur une plante qui vous collera des brûlures ou des lésions buccales. Allons-y, avançons. Mort, et d'ailleurs, il vient avec le bois mort, hein, et qui a la caractéristique d'avoir la base du pied un peu blanche. On le voit très bien là, hein, il y a un peu de mycélium blanc d'ailleurs à la base, et qui est un peu fauve, et surtout quand on le goûte, il est d'une amertume incroyable. Il est vraiment extrêmement amer. Alors, c'est un champignon qui décompose le bois et qui va en fait blanchir le bois. On voit très bien là que le bois devient très blanc. Beaucoup plus blanc que connaît du bois ordinaire et surtout tout mou. Et ce bois blanchi et tout mou, là, c'est du bois dont il ne reste que la cellulose. Alors dans le bois, il y a deux grands composants, hein. Il y a la cellulose et la lignine. La lignine, c'est ce qui fait que le bois est dur et légèrement brun. Et la cellulose, bah, c'est comme une feuille de papier ou un Kleenex, hein. C'est quelque chose qui est mou. Alors l'un dans l'autre, le bois il est dur, mais là, le champignon attaque la lignine. Et il la décompose. La lignine, c'est un tanin géant. Quand je dis qu'il est géant, c'est que dans un arbre, où il y a une molécule, en gros, de lignine, tellement c'est relié dans tous les sens. Donc, tous les morceaux sont liés entre eux. Et ces champignons-là sont capables d'attaquer la lignine. On va y revenir. Les champignons sont les seuls organismes qui attaquent la lignine. Parce que c'est une molécule tellement complexe qu'il faut un équipement très spécial pour fabriquer des radicaux libres qui vont détruire la structure de la lignine. Il n'y a aucune enzyme qui en arrive à bout. Et les champignons sont les seuls à faire ça. Et du coup, ils font effectivement un produit dérivé blanc et mou, qui est l'équivalent d'une pâte à papier. Il y a d'ailleurs des processus de fabrication de la pâte à papier qui sont basés là-dessus. On met du bois avec des champignons, les champignons mangent la lignine,
Et avant qu'ils ne passent au dessert, parce qu'en général, après, ils finissent en attaquant la lignine, avant qu'ils passent au dessert, bon, on chauffe un coup et on fait le papier. Bon, là, on le prend donc entre le fromage et le dessert, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il a commencé à manger la lignine, mais il n'a pas fini son repas et il reste encore de la cellulose. Alors, pour ce qui est donc de ce champignon, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'une partie des petits bouts de lignine qu'il dégage, qui sont des tanins, des petits tanins, en fait, il les accumule lui-même dans ses cellules, dans des compartiments abrités, pour en faire quelque chose, pour en faire une toxine, une protection. Et c'est ça qui donne ce goût un petit peu amer. C'est qu'il récupère une partie des petits tanins qu'il extrait de la lignine, non pas pour son alimentation, mais pour sa défense. Voilà. Donc le gymnopile pénétrant, pénétrant parce qu'effectivement il a l'air de pénétrer dans le bois, et regardez, on voit même une partie du mycélium en bas qui est sous forme de cordon blanc. Alors ça on le reverra, le mycélium on l'a dit, il est fait de filaments microscopiques, mais parfois il s'agglomère en filaments visibles à l'œil nu, et ça s'appelle des cordons ou des rhizomorphes dans certains cas. Ah ben là, voilà, il y en a encore un, on voit très bien la papille blanche à la base. Et puis on voit ici et là des rhizomorphes dans le bois, qui sont ceux, dans un bois qui est donc en train de blanchir, hein, qui sont ceux, regardez, hop là j'en sors un, des rhizomorphes qui sont ceux, hop là j'en ai un, je ne sais pas si on le voit bien, il est sur mon doigt, j'en ai un là encore, voilà, au bout de mon doigt, donc des rhizomorphes, c'est-à-dire du mycélium de ce gymnopile pénétrant. Là, on a quelque chose. Alors, on n'a pas le champignon. Il n'a pas formé la partie qui fabrique les spores. On va l'appeler une fructification, cette partie. Ce sera plus simple entre nous. On n'a pas la fructification, donc on ne le voit pas. Mais moi, je sais qu'il y a un champignon là parce que j'ai du bois qui se débite en cubes. Il se débite en espèces de petits cubes, ou en tout cas en forme polygonale. Et il est très brun. Et il est quand même encore dur. Donc là, c'est un bois dans lequel un champignon a commencé à manger la cellulose et il a laissé la lignine. En l'altérant un peu, ce qui l'a roussi. Il l'a un peu abîmé, mais pas consommé. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pourriture brune ou pourriture cubique à cause de ce débit cubique, hein. C'est quand le champignon mange les deux composants du bois dans l'autre ordre. Il attaque la cellulose d'abord et puis il laisse la lignine. Et d'ailleurs, en général, dans ces cas-là, c'est pas lui qui finit la lignine, parce qu'il ne sait pas la manger, en fait. Voilà. Alors, cellulose et lignine, bah, ce sera un autre champignon, puisqu'il n'y a que les champignons qui digèrent la lignine. D'accord. Mais après, ce sera, bah, c'est qui veut, quoi, qui sera là. D'accord. En tout cas, c'est important, parce que là, lignine et cellulose, regardez autour de nous, la biomasse des écosystèmes, en fait, c'est surtout du bois, des nervures, des choses comme ça, des branches. 90% de la biomasse vivante sur Terre, c'est de la cellulose et de la lignine. Donc quelque part, on voit qu'ils sont en train de recycler ce qui est un composant essentiel de nos écosystèmes et qui est produit en très très grande quantité. Hein, 900 milliards de tonnes de lignine produits par an. Et autant d'ailleurs décomposés par les champignons. Pour la cellulose, je ne vais pas vraiment de chiffres, mais je pense que c'est facilement le double. Voilà, donc ce rôle de décomposeur est très important puisqu'il permet petit à petit que tous ces débris qui tombent par terre soient recyclés. Et ça, c'est un rôle des champignons où ils sont aidés par les bactéries, et c'est un rôle qu'on a tendance à oublier, mais c'est une fonction écologique majeure. La preuve, c'est qu'en ville, ou sur le gravier de votre jardin, faut balayer, faut enlever les feuilles mortes, faut enlever les débris. Dans la nature, Dieu merci pour l'ENF, on n'a pas à balayer, on n'a pas enlevé les débris, ils sont consommés, ils sont digérés par le sol. C'est une des grandes fonctions des champignons, ça. Et des microbes en général du sol. C'est jeune. Il est tout jeune. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas eu de parapluie. Très intéressant, qui est aussi lié à un champignon, ce qu'on appelle un chaudron. Alors le chaudron, c'est la cicatrice de quelque chose, j'en cherche autour mais j'en vois pas, on en verra peut-être en se baladant plus tard. C'est la cicatrice de ce qu'on appelle un balai de sorcière. C'est-à-dire qu'à un moment, et beaucoup de conifères présentent ça, il se met à y avoir plein de ramifications à un endroit. Les branches prolifèrent et ça fait un espèce de gros tas. Et dans l'imagerie populaire, comme ça on l'expliquait pas, on expliquait ça par les sorcières. Bon, alors ça,
C'est le cas où ça a cicatrisé après. Ça a été rangé et l'arbre a continué à pousser. Mais ça laisse cette espèce de grosse déformation. Et ça, c'est des champignons qui font ça. C'est des champignons qui sont proches des rouilles. Les rouilles sont des champignons qui font une espèce de poudre un peu rougeâtre hein, en parasite sur des feuilles. Et c'est des Melampsorella. Melampsorella cariophyllacearum. C'est des champignons qui vivent dans ces tissus sans les tuer, mais qui les font proliférer, ce qui est une façon de faire proliférer leur garde-manger, en produisant une hormone végétale qu'on appelle la cytokinine. C'est une hormone qui provoque le débourrage des bourgeons. Du coup, il y a les bourgeons qui partent dans toutes les directions. Mmh. Et regardez, on voit très bien que ça a été le bordel, là. Mmh. Enfin, pardon, ça s'est passé bizarrement. Il y a des branches qui ont poussé dans n'importe quelle direction. Mais on est après l'événement, le champignon est sans doute mort, et il n'y a plus qu'une espèce de vaste cicatrice. Là, il y en a un qui est beau. Est-ce qu'il y en a un plus haut? Ah oui, alors en base de tronc là-bas, oui, là, je l'ai vu, il y a un truc qui n'est sans doute pas un champignon. Oh, Mixo. Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Ah. Fluo. Parce que, alors d'abord, il y en a des vieux. Il y a la génération d'avant, là. Et la génération d'après. Alors ça, c'est des choses que les mycologues d'autrefois étudiaient, considéraient comme des champignons, mais on va voir que ça n'en est pas. Alors effectivement, ces petits pustules, là, si je les écrase, regardez, ça donne du jus. À ce stade, c'est pas encore mûr. Et à ce stade, chaque pustule est une seule cellule géante. En fait, ces organismes-là, ils font des spores comme les champignons, c'est-à-dire des petites particules qui seront dispersées et puis qui redonneront des individus. Mais quand ils vivent, ils ne sont pas filamenteux. Quand ils sont dans le sol ou dans le bois, c'est une espèce de, comme une espèce de gros crachat qui se déforme, translucide, et qui se déplace en se déformant, qui emballe des bactéries ou des petits débris et qui les digère. C'est une sorte d'amibe géante. Et de temps à autre, quand le milieu devient pauvre ou quand il fait trop sec, alors là, c'est sans doute pas qu'il fait trop sec, ben, il n'y a plus rien à manger. Et le canot de sauvetage, dans ces cas-là, c'est de faire des spores qui vont être dispersés par le vent et aller ailleurs et redonner une amibe géante. Ce groupe d'organismes qui ne sont pas des champignons, ce sont les myxomycètes. Autrefois, alors mycète en grec, ça veut dire champignon, donc autrefois, en fait, les mycologues les étudiaient. Mais maintenant, on les met à part parce qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir. Alors, si on fait un petit arbre de l'évolution très simple, on a les animaux et un arbre géologique hein, du vivant très simple, vraiment simplifié. On a la branche des animaux et ce qui est le plus proche des animaux dans cet arbre géologique, la branche cousine, enfin non, sœur, c'est les champignons vrais. Et ces deux branches-là ont un ancêtre commun, alors il y a sans doute un bon milliard d'années au moins, qui lui-même a plus tôt encore eu un ancêtre commun avec les myxomycètes. Les myxomycètes, c'est des lointains parents, mais ils sont plus loin de nous que les champignons, et plus loin des champignons que nous. Donc voilà, c'est des parentés un peu bizarres. Et puis après, tous ces gens-là ont un ancêtre commun avec les plantes, qui ont un ancêtre commun avec certaines algues, et tout ça, un ancêtre commun avec les bactéries, bref, c'est une autre histoire. Myxomycète, qui là n'est pas encore transformé en spore, et qui est donc au stade jeune. Ça, c'est Lycogala epidendron. Et on a des plus vieux, là, dont il ne reste qu'un petit bout de l'emballage, parce que eux, ils ont mûri. Alors, quand ça mûrit, je regarde s'il n'y en a pas des murs autour, non. Ça devient brun en surface, et la poudre qui est dedans est d'un très joli orange-violet. Une couleur difficile à définir, l'orange-violet. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un balai de sorcière, là, justement, dans la rue. Il y a un endroit là, vous voyez peut-être mieux de là, on va rester là. Il y a un endroit où les branches sont très ramifiées là-haut. Mmh. Vous voyez? Alors ça c'est un balai de sorcière qui fonctionne actuellement. Alors, on en verra peut-être des plus beaux. Hein. Très souvent comme ça, il y a ce tas de branches qui part en toutes les directions. On dirait qu'il y a un nid là, tu vois? On dirait une sorte de nid là. Ouais, ça doit pas être facile à filmer. Hein. Ouais, je confirme. Voilà, bon. C'est pas grave. Vous aviez qu'à venir. Alors là, on a un groupe de champignons en touffe. D'ailleurs, ça va être leur nom. Hein.
c'est les ipholomes ou nématolomes en tout. Ils sont jaunes, un petit peu plus orange à cœur, et surtout quand on les retourne, ils sont vert-brun. Hein, ce côté vert-brun, il va se pousser, d'être de plus en plus marqué de brun avec le temps, parce que les spores qui sont produites sur les lamelles sont brunes. C'est encore un de ces champignons, une extraordinaire amertume. Et là encore, c'est un champignon de pourriture blanche, c'est-à-dire qui transforme le bois en une espèce de résidu cellulosique qu'il consomme ensuite. Alors c'est un des champignons les plus communs. Dans une vieille étude anglaise, ils avaient montré qu'en divisant une forêt en parcelles de 50 mètres sur 50 mètres, on pouvait en trouver dans toutes les parcelles à la saison. C'est donc un des champignons les plus communs en forêt. Ma foi, quand il est très jeune, on peut voir que les lames sont protégées par un espèce de voile de filament, mais qui disparaît avec l'âge, et là, on ne le voit plus guère, sauf qu'on devine les restes des filaments parce qu'on voit une zone noire, là, une zone brune. Les quelques filaments qui restent, au bout de mon couteau, les quelques filaments qui restent retiennent les spores qui tombent. Donc ça fait une zone un peu plus sombre. Enfin, là, ils sont trop vieux pour qu'on voit cette protection. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, ça c'est des gymnopiles. En revanche, là-bas, ah oui, alors là, on a un petit... oui, si, c'est un petit tricholome. Avec une forte odeur de farine. Une petite... des lames très irrégulières, là, c'est probablement Ustaloides, le faux tricholome brûlé. Voilà. Alors, avec les tricholomes, d'une part, et puis le champignon qu'on va voir là-bas, on rentre dans une toute autre catégorie écologique. Jusqu'ici, on avait des décomposeurs. Là, on a une vieille amanite. Et quand on la soulève, voilà, on a ici des pieds qui, vous voyez, dans les deux cas, il n'y a pas beaucoup de feuilles mortes. Mais il y a un petit peu du tout venant, et quand on touche avec les doigts, il y a à la fois de la matière organique et de la matière minérale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un lien spécialement aux feuilles mortes. Ces champignons-là qui ont un pied, alors que moi j'ai tendance à appeler un pied propre, ça ne veut pas dire qu'il est propre, mais on verra peut-être un peu plus tard la différence avec un pied sale. Ces pieds-là montrent que le mycélium, bien sûr, il est présent autour du pied, et il va agréger un certain nombre de morceaux, mais il agrège le tout venant. Il n'est pas installé pour manger. Au contraire, ce mycélium se prolonge dans le sol, et ce qui est très intéressant là, c'est qu'on le voit très très bien ici, il va coloniser, regardez, les racines des arbres. Et là, on a une racine qui était juste sous l'amanite, et où on a le cotonnage blanc du mycélium de l'amanite qui est autour de certaines des racines. Ça s'appelle une mycorhize, ça, cette association entre les racines donc des arbres ou d'autres plantes, hein, et les champignons. Et c'est quelque chose qui est très important à la fois pour les champignons et pour les arbres. Alors pour les champignons, ça explique que bah, vous avez des girolles, vous avez des amanites ou des cèpes que en forêt. Et que malheureusement, on ne sache pas les cultiver. Parce qu'en fait, c'est comme ça que se nourrissent ces champignons-là. Ils sont installés sur les racines et ils reçoivent des sucres de l'arbre. Alors, donc, malheureusement, c'est pareil pour les truffes aussi, hein. On ne sait pas les cultiver sans avoir un arbre. Bon. Et puis, pour les arbres, bah, c'est vital parce qu'ils en ont à tout prix besoin. On sait que finalement, tous les arbres qui poussent autour de nous, si vous les mettez dans un sol complètement stérilisé, ils ne poussent pas ou ils poussent mal. Alors évidemment, comme il y a plein de ces champignons-là dans le sol, c'est jamais limitant. Ils arrivent toujours à se connecter à un champignon. Mais en réalité, c'est les champignons qui vont faire les courses dans le sol. C'est-à-dire que les racines des arbres qui nous entourent sont assez incapables d'aller chercher de l'azote, du phosphate et de l'eau dans le sol. Elles délèguent ça à un champignon, c'est de la sous-traitance, hein. Le champignon fait des filaments qui prolongent la racine bien plus loin, pour un coût beaucoup moindre, parce que les filaments, on s'en souvient, sont microscopiques, alors que la plus petite des racines, elle fait quand même, allez, un centième de millimètre au moins. Donc ça coûte beaucoup moins cher de faire des filaments. Et cette sous-traitance fait qu'en réalité, depuis des centaines de millions d'années, ces arbres s'appuient sur des champignons et donc
bah, ne savent plus exploiter les sols eux-mêmes. Une fois de plus, ce n'est pas grave, puisque dans ces sols, il y a toujours ces champignons. Mais ces champignons-là, qui forment des mycorhizes, c'est quand même les deux tiers des champignons forestiers. Alors attention, c'est les deux tiers des champignons qu'on ramasse en forêt, mais pas n'importe quand. Là, il a commencé à pleuvoir il y a combien de temps? Une semaine, deux ans? Une semaine? Deux semaines, 15 jours, je sais pas. Donc là, l'eau rentre dans le sol et elle va d'abord finalement humecter le bois mort, les feuilles mortes. Et elle va surtout favoriser le développement du mycélium et donc des fructifications, les parties charnues et visibles à l'œil nu, des champignons qui mangent de la matière morte. Ce n'est que plus tard qu'elle arrive plus en profondeur, là où il y a beaucoup de racines, et donc c'est un peu plus tard en saison qu'on voit vraiment le pic des champignons mycorhiziens. Alors d'abord, c'est bête pour nous, parce que ça veut dire qu'on ne va pas ramener de girolles et de cèpes aujourd'hui. Un mot de la manie de Tumouche? Deux mots même. Peut-être même trois. Bon, la première, c'est que vous voyez qu'il y a des limaces dessus. Alors ça nous permet de parler de cette histoire, de savoir si les limaces mangent ce qu'on peut manger. Vous voyez, cette histoire qu'on peut finir ce que les limaces ont commencé. Ben non, parce qu'elles ne sont pas sensibles aux mêmes toxines. Et là, par exemple, ça, c'est pas très très bon, c'est pas mortel, mais c'est quand même assez indigeste, et on va le voir neurotrope. Mais on a aussi des limaces sur les amanites phalloïdes, qui tuent quand même, bon an, mal an, 3 personnes par an en France. Et alors là, par contre, on a pratiquement toujours. Donc elles n'ont pas le même spectre connu, en termes de toxicité. Par contre, ça nous raconte une chose importante, dont on va peut-être reparler un peu plus tard, c'est que les champignons... Quand on pense à l'écologie des champignons, on se dit toujours qu'est-ce qu'ils mangent, quelles sont les conséquences pour la décomposition dans le sol, pour la vie des arbres. Oui, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils sont mangés, ils sont une source de nourriture. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les gens qui courent en forêt avec leur panier, il y a des organismes qui complètent leur alimentation avec du champignon, la limace ou le mycophage. Il y en a d'autres, et on en reparlera peut-être un peu plus tard dans cette sortie, qui ne mangent que ça. Donc c'est aussi une source d'alimentation. Maintenant, la manie de Tumouche elle-même, elle se repère à sa belle cuticule rouge sur laquelle il y a des traces blanches. Là, elles ont été très lavées par la pluie, mais je suis en train d'enlever les dernières. Et ce champignon a beaucoup excité l'imagination populaire à cause de ses couleurs vives. Mais aussi, il a beaucoup excité tout simplement la cervelle de tas de gens qui l'ont consommé comme hallucinogène léger. À vrai dire, c'est pas un champignon dont il faut recommander la consommation, parce qu'en plus d'être hallucinogène, il contient tout un tas de produits qui provoquent des vasodilatations, des étourdissements, et puis aussi des diarrhées, donc c'est un truc super désagréable. Bon. Donc c'est vraiment pas un truc à recommander. Mais une fois séché et en s'étant habitué à ça après de longues années d'entraînement, c'était utilisé par des chamans pour avoir des hallucinations et voir des choses que les autres ne voyaient pas. Il semblerait que ça le fasse sans accoutumance. Mais il y a ce problème des effets secondaires qui fait que je ne souhaite à personne d'essayer. J'ai un ami avec qui je faisais mes études qui a essayé de faire le malin un jour. Et en fait, on s'en est aperçu parce que bon, il était à la limite de se rouler par terre au laboratoire. Il avait des étourdissements et il haletait comme un lapin en fin de vie. Donc c'était un peu l'horreur. Et il nous a avoué qu'il avait tenté un quart de chapeau d'amanite. Et effectivement, il a dit qu'il avait vu des couleurs bizarres, des sensations visuelles étranges, mais surtout, il était mal foutu comme un rat mort, quoi. Bon, bref, il a survécu, mais je pense que c'est pas une expérience à faire. Il y a quand même des trucs que, si on veut s'éclater, qui sont plus courants et essayés par plus de gens, licites ou pas licites. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans les pratiques chamaniques, c'était central. Et d'ailleurs, comme on en séchait pour l'année, mais comme il n'y en avait pas beaucoup, il y a même des populations où les gens récupéraient l'urine de ceux qui avaient eu le droit, la chance et l'avantage social de consommer des amanites Tumouche pour récupérer les principes actifs qui passent dans l'urine. L'amanite Tumouche, et ça explique pas mal des effets qu'on a là, contient une molécule, la muscarine, qui est quelque chose qui interfère avec le fonctionnement synaptique. Et qui interfère avec les récepteurs dits muscariniques, à cause justement du fait que l'amanita muscaria, l'amanita Tumouche, interfèrent avec leur fonctionnement,
c'est des récepteurs donc à l'acétylcholine, un neurotransmetteur important du système nerveux central. Et en fait, la muscarine, qui est un des composés, là, vient se fixer sur ce récepteur sans déclencher son fonctionnement, mais en empêchant qu'autre chose s'y fixe. Du coup, si jamais il y a une libération du neurotransmetteur qui doit exciter le neurone, eh bien le neurone n'est pas excité. Voilà. Donc c'est neurotrope. Ça vraiment, ça interfère avec le système nerveux. La manique, tu bouges. Et à côté de moi, avant qu'on avance, encore là sur une branche qui est tombée, un reste, une cicatrice, un chaudron, encore une cicatrice de ce qui était un balai de sorcière. On voit la branche a été complètement déformée à ce niveau et elle a fait une espèce de nodule. Ça, c'est encore un Melampsorella cariophyllacearum qui a fait ça. Bon, on va avancer un petit peu. Ces champignons-là, dans la médecine... Alors en fait, la muscarine aujourd'hui, je pense qu'on la fabrique plus directement. Le besoin est très faible, hein, c'est plutôt un besoin pour des laboratoires pour soigner les gens. Mais historiquement, on a utilisé les champignons pour se soigner. Et vous savez que Ötzi, l'homme des glaces, qui a été retrouvé avec sa besace, il avait à la fois des perles de polypore du boulot, il avait de l'amadou à bord, enfin il avait plein de champignons. Et on pense que certains de ces champignons étaient utilisés soit en vermifuge, soit pour les soins. Non, il y a effectivement eu une grande présence dans la pharmacopée, mais maintenant c'est plutôt remplacé par des molécules synthétiques. Ce qui a l'avantage d'éviter en fait tout le cocktail des autres molécules indésirables qui sont en autostop. On dit beaucoup de mal de la médecine basée sur des molécules chimiques synthétisées par l'industrie, mais au moins on évite. Enfin, le produit est purifié. Après, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Il y a des effets indésirables quand même, mais on sait des coups. Apparemment, il y a des champignons qui sont en train de traiter la maladie d'Alzheimer. Oui, les champignons japonais. Mais oui, c'est ça. Le problème, c'est que je crois pas que les. On est encore dans les étapes de l'étude. Oui, d'études sur l'homme, c'est pas encore continué. Il y avait des trucs bien là. Ben, il ne bouge pas. Marc-André. Mais justement, dans la voiture en montant, je finissais ma chronique là pour la semaine prochaine. C'est sur les microplastiques. Alors là, on a plusieurs choses à voir. Déjà, quelqu'un a trouvé par terre, Stéphane a trouvé par terre, ces branches d'arbres hyper ramifiées, vous voyez. Et non seulement hyper ramifiées, mais regardez, c'est du sapin. Normalement, le sapin, les branches, eh bien, elles partent horizontalement. Ici, il y a une perturbation de la perception de la gravité par la plante, et les branches ont tendance à se redresser ou à faire des nœuds. Ce qu'on voyait sur l'image précédente, et là, regardez, hop, ça fait un nœud. Enfin, ça fait un aller-retour. Donc, il y a non seulement plus de débourrement des bourgeons, donc ça fait plus de branches et ça fait un balai de sorcière, voilà. Et il y a aussi un problème de perception de la gravité qui fait que l'organisation habituelle des branches n'est plus respectée. Je vais prendre là, en comparaison, une branche normale, vous voyez qu'elle est dans un plan, complètement. Et quand ça finit par tomber, eh ben, il reste un moignon renflé à la base, et c'est ce qu'on voyait juste avant. Ou c'est ce qu'on voit sur un tronc. Alors, il y avait une deuxième chose là qui nous intéressait. Attention au barbelé. C'est il y a fleur à peine. Alors là, j'étais obligé de le déterrer et de régler cette vieille question. Est-ce qu'on doit couper le pied du champignon ou pas? Alors, option 1, on ne coupe pas, on laisse la base du champignon et on prend que la partie émergée. Option 2, avec le couteau, on va chercher en profondeur et on soulève. Et là, alors, il y a des racines, oui, c'est pas facile, mais là, on a le champignon en entier. Alors, disons-le, le mycélium, la partie microscopique qu'il y a dans le sol, elle est diffuse,
est très étalé. On a regardé déjà, on a fait des, avec des études génétiques un peu poussées basées sur l'ADN, on a regardé où est l'ADN et donc où sont les filaments d'un champignon. Souvent, un champignon, l'individu, il couvre jusqu'à plusieurs mètres carrés. Donc, c'est pas comme ça qu'on l'arrache. Parce que souvent, on dit oui, ça repousse parce que vous ne perturbez pas le mycélium. Mais souvent, le mycélium, il est loin sur les racines si c'est un champignon mycorhizien, un peu partout dans la matière morte si c'est un champignon décomposeur. Non. Il vaut mieux faire ça parce que là, vous avez la base. Vous avez la base en entier. Et vous voyez ici que c'est encore un de ces champignons qui a ramassé un petit peu tout. Et quand dans mes doigts je fais rouler ce qui est venu avec la base du pied, il y a aussi des petits grains, il y a de la matière minérale. C'est encore un mycorhizien. Et là, c'est un champignon extrêmement friable. Alors, j'en ai deux, c'est pour ça que j'en sacrifie un. Il est friable et quand je caresse ses lames, elle casse, regardez. D'habitude, quand on broie un champignon, genre champignon de Paris, bah, ça fait, c'est tout filamenteux, quoi. Et bien oui, parce que même la partie massive, elle est faite de filaments. Donc souvent, les champignons, c'est assez filamenteux parce que c'est fait de filaments microscopiques assemblés ensemble. Et là, c'est bizarre, c'est friable. Ça se casse facilement. C'est une caractéristique du groupe des russules et des lactaires où vous avez bien des filaments. Ces filaments sont faits d'une série de cellules, mais ces cellules sont élargies et peu cohérentes entre elles, ce qui fait que quand on perturbe la chose, ben, elle se détache facilement et ça fait une cassure un peu crayeuse et pas filamenteuse. Les russules et les lactaires, c'est un groupe dont les filaments sont finalement assez peu cohérents en eux-mêmes, et donc c'est fait partie des rares champignons qui n'ont pas une structure filamenteuse à l'œil nu, même si microscopiquement on peut quand même retrouver les filaments. Alors, quand on sait que c'est une russule, ce qui est le cas ici, donc on est dans des russules, je pense, du groupe des lycages, je ne vais pas faire le malin là-dessus, hein. Il suffit de goûter pour savoir si c'est comestible. En effet, chez les russules de nos régions, il faut être sûr que c'est une russule, les espèces incomestibles qui provoquent des diarrhées, hein, qui sont laxatives, c'est le pire qu'elles puissent faire, ont des terpènes, des composés terpéniques qui sont extrêmement brûlants et poivrés. Ben, c'est le cas. Voilà. Donc, on va éviter de manger ça, hein. Mais c'est encore un champignon mycorhizien des arbres qui nous entourent. Et chose intéressante, on retrouve ici un autre type d'organisme qui mange des champignons. Regardez, elle est véreuse. Il y a des galeries de petits vers. Alors ces vers sont en fait les larves de petites mouches qu'on appelle des mycétophilidés, ce qui en grec veut dire ami des champignons. Enfin ami, c'est une amitié vorace, hein, puisque en fait, dans ces cas-là, l'état larvaire, ces espèces-là, de diptères mycétophilidés, sont strictement mycophages. Voilà un exemple de choses qui ne mangent que du champignon. Et d'ailleurs, on comprend que les champignons, et notamment les parties reproductrices, les fructifications, accumulent des toxines. C'est pas contre l'homme, parce que l'homme n'est pas un prédateur de champignons à ce point-là. Non, non, en fait, il y a tout un tas de bestioles qui peuvent manger des champignons, et d'ailleurs, là, on voit que les ça a été commencé par des limaces aussi. Hein. Et donc, il y a un enjeu majeur à protéger. C'est très, très poivré. Hein. Il y a un enjeu majeur à protéger cette partie-là, le temps qu'elle produise ses spores. Et finalement, nous, la toxicité des champignons est sans doute une balle perdue. C'est pas à nous qu'elle s'adresse. C'est plutôt à des rongeurs, à des limaces, à des insectes, qui d'ailleurs, pour beaucoup, ont eu le temps d'évoluer et d'arriver à vivre avec, et donc qui en mangent quand même. Mais clairement, je pense que la toxicité des champignons, c'est un accident d'évolution. C'est-à-dire qu'on vit mal un truc qui n'est pas fait contre nous. Vous avez dit qu'il ne fallait pas couper les champignons, parce qu'il y a une histoire de bactéries quand on les coupe. Il y a eu plusieurs histoires à raconter. Les Suisses ont fait des travaux là-dessus, sur des parcelles, où on coupait le pied ou pas le pied. Et à la fin, sur 15-20 ans, ça ne changeait rien.
Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que le mycélium est beaucoup plus étendu que ce qu'on imagine. Et là, qu'on imaginait à partir du champignon. Et que pour l'identification, c'est très important d'avoir la base du pied aussi. Ouais. On ne l'a pas dit, tu as raison. C'est... Voilà, ouais. La base du pied peut avoir des caractères diagnostiques, comme une volve en sac, un bulbe prononcé, qui peuvent aider à la reconnaissance. Oui, ça c'est la grosse raison technique. Mmh. Oui, on peut présenter ça. Bon, là, il y a un petit tyromycèse, un petit polypore blanc à reflets bleu-gris. C'est maintenant cassé dans les postias, je crois. Est-ce qu'il est amer? Il n'est pas amer. Ah. Et donc, moyennant quoi, si j'avais mémoire, je serais sûr que c'est césius ou subcésius, mais je ne sais pas lequel est lequel. Donc, on va laisser ça en suspens. Les bons auditeurs vont rajouter le nom. Il y a le blanc derrière. C'est encore un champignon donc décomposeur du bois. On retrouve des lycogales, regardez là, du bois. Lycogala épidendrone, donc ça c'est encore les myxomycètes de tout à l'heure. Mais ils sont encore jeunes. Et puis on a effectivement du bois mort qui est absolument superbe. Hein, parce que c'est une très belle pourriture blanche qui est en cours. Alors, j'ai essayé de faire une coupe là-dedans. Ouais, oh, on va avancer encore un peu. On va trouver plus tôt. Là, ça, c'est un arbre qui a été tué par ce tout petit champignon. Voilà. Non, qu'il y a des pores en dessous, mais surtout qui est violet au bord. Je ne sais pas si c'est clair là. On voit, c'est violet au bord. Mmh. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est un. Oui, on voit ici aussi. Et c'est ce champignon qui a tué cet arbre. Mmh. Alors il l'a tué et encore de nouveau, vous voyez, on a le voli. Et puis, la base. La chandelle, techniquement. On retrouve le même champignon, vous voyez, il est là, il est un peu plus sec. Hein, là. En fait, là, ben, il est sec parce que ça sèche, hein, une chandelle comme ça, alors que le voli, lui, il est allongé par terre, donc il prend plus l'humidité. Du coup, le champignon prolifère bien plus et forme bien plus de fructification, c'est-à-dire produit plus de spores sur la partie à terre qui est humide que sur la partie dressée qui est plus sèche. Ah, très bien. Après, je vais pas avoir de nom à donner là. Mais, Il y a 6 espèces là-bas. C'est non, 6 espèces différentes. Bah. Parce que là, effectivement, on croise encore une russule. Ah, alors c'est très intéressant parce que bon, j'ai retiré cette russule, voilà, qui d'ailleurs est en train de se faire manger par une grosse limace. Je ne vais pas savoir la nommer, cette russule. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai là. Dessous, tout un tas de mycorhizes jaunes. Regardez, vous voyez que sur les racines, là, j'ai du champignon jaune. Vous voyez le champignon jaune? J'en ai plein là qui pion sur les racines. Ces petites racines superficielles. Hein? Alors ça, c'est encore un champignon mycorhizien, mais j'ai d'autres mycorhizes. Regardez, là, j'ai une petite mycorhize très blanche. C'est assez riche en mycorhizes là. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le mycélium jaune, et donc bien visible à l'œil nu. Là, je pense que tout le monde est d'accord. Ah, ben c'est bien, on va avoir de quoi boire ce soir. On voit très bien ce mycélium jaune,
voilà, qui est lié aux racines par endroits. Et en fait, on le voit parce que là, en fait, il fait des cordons. Je vous le présente, Piloderma crosseum. Là, il est bien reconnaissable, lui, à l'état de mycélium. Oui, il y a des champignons qu'on peut reconnaître à l'état de mycélium. Et là, on voit très très bien ces cordons jaunes. Crosseum, voilà. C'est croisé, Piloderma. Piloderma. Bah, ça veut dire qu'effectivement, à la surface de quelque chose, à la surface de sa peau, alors, je ne sais pas si c'est la surface de ses fructifications ou de ses cordons, hein, il doit y avoir des poils. Piloderma. Il a un peau poilu. Alors, on a aussi ici quelque chose qui est marrant, qui est un champignon gélatineux. C'est une trémelle. Alors, les trémelles, c'est des champignons intéressants. Parce que vous pourriez vous dire qu'ils poussent sur du bois mort. Donc, ils mangent du bois mort. Moi, j'ai toujours pensé ça quand j'étais gamin et que je faisais de la mycologie. Je me disais, bon, voilà, c'est des décomposeurs du bois. C'est vrai qu'en dessous, il y a du bois, hein, qui est en train de pourrir. Mais en fait, les trémelles sont des parasites de stéréum. Alors, on n'a pas donné le nom, mais tout à l'heure, le petit champignon qu'il y avait sur l'arbre, qui avait sa chandelle et son volis, c'était Stéréum gozapatum. Et là, c'est des petits champignons décomposeurs de bois qu'ils ont tué ou qui est mort de sa propre mort. Et ça, les trémelles, ce sont des parasites de ces champignons. Qui cannibalisent les animaux. Donc on pourrait se dire que ces champignons qui mangent du bois mort, mais non, en fait, ils mangent quelque chose qui mange du bois mort. C'est pas beau, ça. Donc là, on a une autre niche écologique des champignons, c'est parasiter les champignons. Parasite de parasite ou de décomposeur selon l'espèce de stéréum. Voilà, un champignon tout gélatineux. Tiens, si tu veux de la gélatine. Pas de gélatine. Ah, on a un cortinaire. Bon. Ouais. Effectivement, c'est un cortinaire. On devine effectivement que c'est un cortinaire parce qu'on a des restes, regardez là, on a des restes du voile qui unit le bas du chapeau au pied. Et on a aussi, regardez, un dépôt rouille qui se fait sur le pied, au bout de mon doigt, parce que rapidement, bon bah, cette espèce de voile araneeux, en fait filament, qui est entre le pied et le bord du chapeau, qui protège les lamelles quand elles sont jeunes. Quand elles sont jeunes, les spores sont pas mûres, donc c'est pas la peine de dégager la place pour que les spores tombent. Par contre, il vaut mieux avoir des petits voiles protecteurs qui empêchent qu'il y ait des chocs ou que des trucs, si possible, hein, viennent manger les lamelles. Mais après, ça se résout complètement et on voit plus tellement ces filaments. Sauf que quand les spores tombent, or chez les cortinaires, les spores sont ocre rouille, eh bien ça va laisser une marque ocre rouille sur le pied. Et donc ça, à l'œil, même si on ne voit pas, surtout quand on a ma vue de 50 ans, on voit pas tellement les quelques filaments qui traînent, mais on voit le petit reflet rouille là, et on se dit, ah ouais, tiens, ça, c'est un cortinaire. Alors, je pense qu'on est dans le groupe des anomalus, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Et par contre, on a encore, regardez, on a un petit peu du tout venant. On n'a pas vraiment beaucoup de matière organique, mais on a aussi un peu de matière minérale. Ça, c'est mycorhizien encore, mycorhizien des arbres. Donc, comme les russules, comme les... Alors là, on a un petit mycène blanc. Et puis, on a par terre des jeunes... Ah, ben c'est très joli. C'est des jeunes cortinaires où là, on voit très très bien le voile araneeux. On voit très bien qu'il y a une espèce de coton qui protège les lamelles. Et donc toujours ce pied que j'appelle propre, moi, c'est-à-dire que c'est pas un pied sale, mais est-ce qu'on va trouver des pieds sales? C'est les pieds sales, c'est ce qui est caractéristique des saprophytes de litière. Est-ce qu'on va en trouver? Il y a un polypore là. Normalement, la litière était plus humide que les racines des arbres à profondeur. Donc on prend Marc-André? Ah oui. Sinon il y avait un polypore là. Ouais, mais on l'a eu d'ailleurs tout à l'heure. C'est un phomatopsis? C'est un phomatopsis. Ça, c'est une très belle veste de loup, échinulée, mais âgée. Alors, les vestes de loup, hein, ça fait de la poussière quand on appuie dessus. T'as déjà joué avec? Ah, mais celle-là, elle est trop jeune. Les spores sont pas encore mûres.
Alors ça, les champignons, en fait, il y a, pour la production des spores, il y a un grand dilemme. Protéger ou pas. Alors vous allez me dire, il faut protéger la partie qui fabrique les spores. Oui, mais le problème, c'est que c'est le vent qui disperse. Donc plus c'est au contact du vent, mieux ce sera dispersé. Alors en fait, c'est comme souvent dans l'évolution, il n'y a pas de bonne solution. Quand vous faites un truc, vous en abîmez un autre. Je m'explique. On a vu des callosaires tout à l'heure, qui ont la forme de petits buissons ramifiés. Alors là, il y a une surface énorme, et le vent balaye ça, et quand les spores sont produits, ils sont entraînés, il n'y a aucun problème. Dispersion optimale, protection. Ah ben alors là, dès qu'il tombe un truc dessus, dès qu'une bestiole arrive et commence à bouffer la surface, elle mange la partie productrice de spores. C'est l'horreur. Deuxième option, la protection totale. C'est la veste de loup. Alors la veste de loup, hein, vous avez donc vos spores qui sont maturés à l'intérieur. Et puis à terme, bah, y a toujours l'emballage autour. Donc souvent, il y a un ostiole qui se perce et il faudra attendre des chocs pour que ça passe dans l'air. Hein, souvent, on a les parents qui disent aux enfants qui sautent sur les vestes de loup là, pour faire de la poussière. Ils disent, non, il faut pas, il faut respecter. Au contraire, respecter une veste de loup, c'est lui foutre des coups de pied dans la gueule quand elle est mûre. Parce que c'est ça qui disperse les spores. Ils ne se dispersent pas d'eux-mêmes. Donc, protection optimale, dispersion. On attend qu'il y ait un enfant qui saute dessus ou un lapin qui court par-dessus. Enfin, vous voyez, c'est un peu quand même. Voilà. Et puis, il y a l'intermédiaire. Qui est un petit peu des deux, alors c'est un peu protégé mais pas complètement, c'est mieux dispersé mais pas totalement, c'est tous les champignons qui font des anneaux ou des voiles comme les cortinaires, qui vont protéger transitoirement les lamelles, et puis après, quand ça s'ouvre, eh bien les lamelles sont à l'air libre. Comme les coulemelles pour l'anneau, ou comme les cortinaires pour ce voile aranéeux, dont on n'a pas dit le nom, c'est une cortine, d'où le nom de cortinaire. C'est l'équivalent d'un anneau diffus. Alors, on va par là. Non, on va vers les lactaires et les amandes. On y va, lactaires et les amandes. C'est parti, attention. Ouais, barbelé. Oh, toute blanche. Et tu sais ce que c'est ? Bon, alors là, on retrouve. Ouais. Les gymnos. Alors, ça qu'on vient nous a ramené là, c'est intéressant. Mais tu l'as trouvé où ? Là, sur un champignon en déliquescent, en fait. D'accord, on peut le retourner le voir, ce champignon en déliquescent, il n'est pas trop loin. Aurélie. Ah, parce qu'il est près du barbelé, donc, près du barbelé. Ah, ça c'est intéressant. Près, hein, un hypomis. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'hypomis antiacus, c'est ça. Oui, c'est le seul que je connais. Antiacus, j'ai un doute. Ah, joker. C'est plus haut. Je comprends que. Oui, je couperai après. Effectivement, c'est chouette d'avoir trouvé ça parce que c'est une jolie histoire. On a ici les restes d'un bolet. Mais alors, moi, je sais que c'est un bolet parce que je reconnais ce qui est jaune. Ce qui est jaune, c'est les spores d'un champignon qu'on appelle Chrysosplenium cepedonium ou Hypomyces. Alors je crois que c'est Orantium ou Orantiacum, mais j'ai un doute. Bon, ces Hypomyces, ce sont des champignons parasites de fructification de bolet. Donc c'est-à-dire que votre fructification de bolet, elle va très rapidement rentrer en déliquescence. Et ça fait un espèce de jus, hein. Il n'en reste qu'un espèce de jus qui
voyez, sur les doigts, c'est tout juteux, c'est beurk. Bah, simplement parce qu'en fait, ces hypomycèses produisent des enzymes qui digèrent le champignon. Exactement comme sur un camembert, les filaments de champignon produisent des enzymes qui digèrent le caillé plâtreux qui est à l'intérieur du camembert. Vous savez, vous avez une espèce de front de liquéfaction qui progresse. Donc c'est la digestion, quoi. Ça réduit en petites miettes moléculaires, en petites molécules, la structure. Bon, bah, du caillé, dans le cas du camembert ou du champignon, là, et les petites molécules obtenues peuvent rentrer dans les cellules du champignon. Alors, soit du champignon de la croûte du camembert, soit ici de cette hypomycèse. Et ensuite, cette hypomycèse produit des spores qui vont être dispersées par le vent et aller regermer sur une autre fructification de bolet. Ça a une odeur très forte. Est-ce que vous voulez me dire ce que ça sent? Il y a une odeur très nette, hein. Tu vas sentir. Très très nette. Allez, Malo. Ça sent pas bon, tu peux tenter? Ça pue, oui, mais ça tue quoi? Mais ça sent le vieux crabe. Ah, pourri, oui, non? Oui, mais oui, ça sent les fruits de mer pourris. Ça sent les fruits de mer. Exactement. Au Canada, ça la tête de crabe, ouais. Il y a un hypomycèse. Tête de crabe, en ouais. Plus. Hypomycèse lactifluorum, voilà, qui transforme ça. Des russules en une espèce de gros truc rose, ouais. Informe, ouais. Mais qui n'est pas digéré. C'est-à-dire qu'il est encore un peu ferme. Et ça, c'est hyper prisé parce que ça a le goût, alors lobster de homard ou d'écrevisse, ça a un goût de crustacé. Alors chez nous, évidemment, ça a peut-être un très bon goût de crustacé, mais c'est informe, c'est de la bouillie, c'est pas mangeable. Mais on transforme une russule complètement quelconque en un quelque chose d'extrêmement apprécié, en un joyau gastronomique, avec cette hypomycèse au Canada. Bon, ici, on a l'odeur, mais on n'a pas le plat restaurant. Donc encore un parasite de champignons. Et c'est pas qu'un décomposeur, hein, c'est vraiment un truc qui va réduire la durée de vie de la fructification, donc la durée de production de spores. Par rapport à la moisissure, ah bah c'est une moisissure, c'est une moisissure, c'est tous les champignons qui sont plus petits, donc on voit vaguement une moisissure. Moisissure, c'est un nom vulgaire qui désire les champignons qu'on voit à peine à l'œil nu. C'est un terme usuel, mais c'est pas une catégorie scientifique. On avait une conférence d'une heure ce matin, spécifiquement sur les moisissures. Et où c'était sur... voilà. Avec le croque-mort. Parce que ça, donc, c'est un tricholome colombèque. Souvent, il se reconnaît à un bleuissement de la base du pied, on en parlait à l'instant. À la loupe, j'arrive à voir qu'il y a quelques petites galeries d'insectes qui sont bleuies. Je ne sais pas si ça va sortir là avec le téléphone, mais souvent il y a un léger reflet effectivement bleu qui est une réaction qu'on connaît encore mieux sur certains bolets, hein, qui bleuissent quand on les coupe. C'est souvent que les champignons changent de couleur à la cassure. On va revenir là-dessus, je vais tout de suite vous en montrer un autre. Donc on garde ce tricholome colombette, qui est un tricholome blanc. Alors moi j'ai toujours très peur de le manger parce que j'ai assez peur des confusions avec d'autres choses. Mais je vais tout de suite vous montrer un autre champignon qui change de couleur aussi à la cassure. Voilà. Alors c'est un champignon, ici, qui, quand on le casse, il y a une sorte de lait un peu rouge qui coule. C'est un lactaire, ça? Moi, c'est un lactaire, oui. Alors les lactaires sont de la même famille que les russules, enfin du même grand groupe que les russules, c'est-à-dire qu'ils ont une chair très cassante. Alors, attention, on va en parler tout de suite. Oui, celui-là peut se manger, mais c'est pas le meilleur. Hein. Voilà, alors là, donc, j'en ai, il est très frais. Et si on attend un peu, mais malheureusement on ne va pas pouvoir faire la manip, nous, les zones rouges là qu'on a touchées vont devenir vertes. Alors ces changements de couleur là sont exactement de même nature que les changements de couleur qu'on a quand on coupe une pomme et qu'elle brûle. C'est des phénomènes d'oxydation qui font intervenir des tanins. Ces tanins, ils ont une certaine couleur, ou
pas d'ailleurs. Dans la colombette, par exemple, ils n'en ont pas. Ils ont une certaine couleur quand ils sont dans la cellule vivante, puis quand la cellule est abîmée, ils réagissent avec l'oxygène. Et éventuellement, ça les fait changer de couleur. Ce changement de couleur n'est pas vraiment utile en lui-même. Il ne veut rien dire en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils changent de couleur, ils réagissent avec l'oxygène, donc ils le captent. Et ça, c'est un rôle antioxydant. Quand il y a une blessure, un des problèmes, c'est qu'il rentre beaucoup d'oxygène, et l'oxygène peut, ça fait des radicaux libres, et ça peut abîmer les cellules. Donc ça permet de limiter les dégâts liés à l'oxygène. Et voilà la raison qui fait qu'il y a des changements de couleur quand on lèse un fruit. Bon, là souvent c'est brun, c'est un peu ennuyeux comme changement de couleur, c'est pas très, très gai. Chez les champignons, ça peut être des couleurs plus vives. Continuons sur les lactaires. Là, il se passe aussi autre chose. C'est qu'on voit qu'il coule comme un jus. Je ne sais pas si c'est très net pour la caméra, mais il coule comme un jus. Et ce jus, c'est parce qu'en fait, on a dit que nos champignons sont faits de filaments. Et même les parties massives, visibles à l'œil nu, sont faites de filaments serrés entre eux. Ici, certains filaments sont spécialisés. Ils sont plus gros que les autres. Et ils accumulent un liquide sous pression. Et en plus, ils sont montés en réseau. Ce qui fait que quand vous brisez quelque part, ça sort. Vous savez, cette histoire-là, elle existe aussi chez les plantes. Il y a plein de plantes qui, quand vous les brisez, il y a un latex qui sort. La chélidoine, ça fait un latex jaune. Vous savez, c'est l'herbe à verrues. Parce que ce latex qui coule, ce lait qui coule, si on veut, on peut appeler ça un lait en botanique, hein. Ce latex qui coule, il contient des protéases, des enzymes qui détruisent la peau et qui notamment vont détruire la verrue. Vous avez ça sur les euphorbes, comme l'EVA, enfin les plantes de la famille des euphorbes, comme l'EVA, comme, qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre, les euphorbes, pour ceux qui connaissent, l'herbato. Alors, on a aussi ça sur l'aloe, mais c'est encore une autre famille. Vous avez ça sur la laitue. L'actuda. Ah oui, la laitue, elle s'appelle comme ça, parce que les laitues, les pissenlits, quand vous les coupez, il y a du lait qui coule. Et en fait, c'est la même chose, il y a des réseaux de cellules qui ont fusionné entre elles et qui font un réseau qui contient un liquide sous pression. Et ce liquide sous pression, dès qu'il y a une blessure, il coule. Et vous voyez que c'est une convergence évolutive entre les plantes et les champignons. Et il contient toutes les molécules toxiques pour les agresseurs. Les protéases de la chélidoine, l'herbe à verrues, en fait, c'est des enzymes qui coupent les protéines. Et si jamais vous en mangez, ben, ça va couper vos enzymes digestives, ça va vous couper la digestion. Dans ces cas-là, le lait, il contient tout un tas de terpènes et de tanins. Un peu d'ailleurs comme dans la laitue, hein, si vous mettez la langue sur le latex de laitue, c'est horriblement amère. Brûlant, amer. Et là, pour le coup, hein, ça manque pas, hein. Ça mégapique sur la langue. Bon, alors, c'est pas parce que ça pique quand c'est cuit, c'est pas comestible. Il faut le cuire, et souvent quand on cuit, les tanins réagissent avec les protéines et s'oxydent, les terpènes partent dans le jus, bref, ça peut être plus comestible. En tout cas, ces laits sont des façons de se protéger. Regardez, il est beau ce lait rouge là. Hein, j'en ai plein la main. On dirait que je me suis coupé. Régis Marcos en a fait un nez orange hier. Voilà, bon, eh bien, les grands esprits se rencontrent. Moi, c'est ça. Je fais avec la main ce qu'il fait au nez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, ça, ce sont des mycorhiziens ce groupe de champignons à lait rouge qui verdit avec le temps. On ne va pas avoir le temps de le faire verdir. Malheureusement. C'est la section des lacaires, donc la section d'Apétès, et ils sont, chose exceptionnelle, spécifiques de leur hôte. Non, mais moi je vais aller avec Marco. Alors, donc, parce qu'en général, les champignons mycorhiziens, ils peuvent s'intéresser à plusieurs arbres. Là, ceux-là, ils sont spécifiques des arbres. Donc, il faut regarder ce qu'il y a au-dessus. Et au-dessus, je vois des sapins. Donc, c'est Salmonicolor, Lactarius salmonicolor, et c'est un bon comestible. J'ai hésité tout à l'heure parce que je ne savais pas, je n'avais pas regardé encore si ce n'était pas des épicéas. Alors dans ces cas-là, c'est Déterimus et lui, bon, il rabote plus les boyaux, quoi. Et puis, sous les pins, il y a le Deliciosus, qui est encore plus connu, qui lui verdit plus vite. Et le Salmonicolor, bah, il est couleur saumon, il vous dit son nom latin parce qu'il peine à verdir, il verdit très lentement. Et
Voilà, donc ça nucolore, c'est sous les sapins. Deterrimus sous les épicéas et Deliciosus sous les pins. Et Deliciosus, il est bon. L'intérêt là, de travailler avec le couteau pour avoir la base du champignon. Pourquoi ? Ce champignon ressemble beaucoup à mon Trigolome colombette de tout à l'heure. Bon, d'accord, le bord a l'air un peu plus strié. Mais regardez, si je l'ai bien avec la base, je découvre qu'il a une volve, c'est-à-dire un sac, qui est en fait le reste d'un emballage qu'il y avait initialement autour de tout le champignon quand il était petit. Oui, parce que c'est peut-être aussi une façon de protéger finalement le champignon et ses lamelles, d'avoir un emballage. Cet emballage, il persiste à moitié sous forme de sac et à moitié sous forme d'une espèce de grande écaille, regardez. Voilà, une grande écaille. Bon, elle vient pas. Je suis désolé. Une grande écaille qui est sur le chapeau, là. Voilà, ça. Et ça, c'est la même chose que ce qu'on a sur la manie de Tumouche. Sur la manie de Tumouche, il n'y a pas de voile à la base, mais il y a plein de mouchetures blanches qui sont les restes du voile qu'il y avait tout autour du champignon quand il était jeune. Donc là, on est sur une amanite. Et pour le coup, sur une amanite toxique. Qu'est-ce qu'on dit, là ? Comme amanite. Vireuse ? Bah pour moi c'est virosa, oui. Parce qu'elle est décentrée ? Parce qu'elle est décentrée, puis il y a aussi toutes ces petites mouchetures sur le pied. Bordure pectinée. Et vous remarquez que elle a. Et puis la bordure comme. Oui. C'était une des différences d'ailleurs avec le Trigolome colombette de tout à l'heure, la marche striée. Alors, vous remarquez qu'elle est commencée hein, par les. Elle est entamée par les. Limaces, certainement. Les limaces. Et typiquement, ça. Un truc comme ça, ça peut tuer un adulte. Voilà. Alors, on va la laisser là. C'est encore un mycorhizien. Hein. C'est ce pied où il y a un petit peu de tout qui vient. On peut la prendre pour l'exposition. On va la prendre. À moins que vous ayez quelqu'un à massacrer. Pour l'exposition. Ces amanites sont très pernicieuses parce qu'elles ont très bon goût. Elles ont très bon goût. D'ailleurs, à l'odeur, c'est une odeur assez délicate. Mais vous êtes là. Il t'a dit tout à l'heure. C'est une dose. Et donc quand on émet, c'est une texture. Très délicate. Il ne faut surtout pas avaler, parce que là, on peut s'intoxiquer. Mais par contact dans la bouche, et c'est un goût très léger, surtout c'est une texture, on dirait de la meringue. Un petit peu comme la manie des Césars. C'est ces structures qui se délitent dans la bouche, qui fondent. Les gens finissent le plat. Il n'y a pas d'indisposition au niveau de l'estomac, donc il n'y a pas de vomissement. Ça passe dans l'intestin, les toxines passent dans le sang et ça commence à détruire les reins, le foie. Et ça, les amanites, c'est diabolique parce qu'en fait, les gens finissent le plat est délicieux. Et puis évidemment, et ils ne le vomissent pas. Et deux, trois jours plus tard, ils ont des symptômes. Au début d'ailleurs, ils ne se rendent pas trop compte, ils ne voient pas le lien avec ce qui s'est passé, donc en plus, ils ne consultent pas vite. Et ça, ça peut tuer des gens. Donc il faut être très vigilant. Et l'intérêt de soulever la base, c'est d'avoir accès à des caractères diagnostiques complémentaires. Voilà. Bon. Et ben, merci de votre attention. Merci beaucoup, Marc-André.